Cher public, pendant un an, la voix a cherché 10 candidats qui avaient tous un secret, surprenant, diabolique, exceptionnel. La voix a sélectionné 10 personnalités uniques avec tous un caractère différent. Et ce soir, ils vont rentrer dans une aventure pas comme les autres. Ils ont tous un secret différent. Et ils vont le dévoiler au grand jour. Mon secret ne m'a pas toujours rendu la vie facile, il est facile à remarquer et on me trouve souvent bizarre. Mon secret a changé toute ma vie. En l'apprenant, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres. Mon secret est assez bizarre, c'est comme une sorte de don. Et oui, après un an d'attente, 10 nouveaux candidats vont intégrer la toute nouvelle maison des secrets. Alors attention, car Secret Story Sims saison 2 ça commence dans... C'est tout. Pour le moment. Bienvenue à tous pour le Prime 1 de Secret Story Sims saison 2. Après une année d'attente, la saison 2 commence enfin. Une toute nouvelle maison est prête à accueillir 10 nouveaux candidats, cette saison a l'air de promettre. Tout de suite saluons notre très chère voix, que nous n'avons pas vue depuis très longtemps. Bonjour monsieur la voix. Vous allez bien? Ici la voix. Benjamin, la voix est très contente de te revoir. La voix va très bien, elle attend impatiemment ses 10 nouveaux candidats. De plus que ces 10 candidats ont des secrets qui seront encore plus durs à trouver. Eh oui monsieur la voix, nous attendons tous leur arrivée. Comment va se dérouler cette saison? La maison des secrets a-t-elle changé? Le jeu n'a pas changé, les candidats ont la même cagnotte de base qui est de 10 multiflouzes, ils devront trouver les secrets des autres habitants et garder leurs secrets le plus longtemps possible. Ils devront effectuer des missions et résoudre des énigmes aussi. La maison des secrets a-t-elle changé, elle cachera encore plus de mystères que la saison précédente. Très bien, merci la voix, à tout à l'heure. Au revoir Benjamin. C'est tout. Pour le moment. Voilà, on peut dire que cette saison promet. Surtout pour 3 candidats qui auront un parcours différent. Et oui, cette semaine 3 candidats sont entrés dans un bifort pour former un faux couplet ce soir, un d'entre eux ne va pas rentrer dans la maison des secrets. Connectons-nous avec le bifort. Bonsoir Thaïs, Romain et Manon. Alors, pas trop stressé? Ben moi je suis Omega Taki, stressé de la mort qui tue, pas envie de partir. Oui. Mais moi aussi, j'ai trop envie d'y rentrer, j'ai pas envie de partir avant même que ça commence vraiment. Iben, j'ai pas envie de partir, mais le pire, c'est que j'ai pas envie que l'un de nous trois part. Ah, beaucoup de stress à ce que je vois alors. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour les résultats. Voilà, vous verrez les résultats en fin de Prime. Ce soir vous allez voir les portraits de chaque candidat dont ceux du Bifort. Avant de découvrir le portrait de Thaïs, Romain et Manon, découvrons la nouvelle maison des secrets. Ici la voix. La voix vous souhaite la bienvenue dans sa deuxième maison des secrets. Cette saison, les habitants vont être surveillés par la Joconde qui était cachée derrière des tableaux à la saison précédente. Les habitants devraient une fois de plus se méfier des apparences, notamment sur celui des mystérieuses dalles de la piscine. Quel secret enferme-t-elle? Cette saison, le téléphone rouge est encore venu, plus cruel que jamais. Quelles seront ses nouvelles? Les habitants devront encore plus se méfier de la Joconde, car elle a le regard partout, notamment dans les chambres des filles et des garçons qui seront à côté cette saison, les habitants ne pourront plus rien cacher. Par rapport à la saison précédente, l'accès des douches se fera par la piscine et les toilettes se trouveront dans les douches cachées par des murs. Mais la Joconde ne lâche pas son regard quand même. Le salon, la cuisine et la salle à manger seront aussi accessibles depuis la piscine, la cuisine cette année sera encore plus grande. La salle à manger et le salon seront séparés par un passage menant à la salle des quatre éléments. Cette séparation n'empêchera pas la voix et la Joconde d'observer les habitants.
Une nouvelle salle a donc fait son apparition cette saison, la salle des quatre éléments où plein de pistes mystérieuses et des indices sur des secrets y sont cachés. Le confessionnal est aussi accessible depuis cette salle. Arrivés au confessionnal, les habitants devront entrer dans un tombeau égyptien bien sombre. C'est ici que les candidats pourront dire leurs révélations, ou même buzzer. Mais cette maison cache encore bien plus de secrets, alors attention car cette année aucun secret ne pourra être gardé, les habitants ne pourront rien cacher, ils seront observés de partout. Alors n'oubliez pas, dans la maison des secrets il vaudrait mieux se méfier des apparences. Voilà une maison plus que mystérieuse on peut dire. Tout de suite découvrons le portrait de Thaïs, Romain et Manon. Ici la voix. Candidate, présente-toi. Bonjour la voix, moi c'est Thaïs, j'ai 19 ans et je suis écrivaine du livre sur les animaux. Là la voix, on se trouve devant ma très grande maison où je vis avec ma petite sœur, Alexis qui a 13 ans. J'ai perdu mes parents avec un accident familial et on s'est retrouvés dans cette petite ville avec ma petite sœur. Passe mon temps chez moi à écrire des livres sur les animaux, je les adore. D'ailleurs chez moi, j'ai 3 chats, 3 chiens et 3 chevaux. J'adore dessiner, surtout que j'ai une super vue. Je sors peu souvent, je passe mon temps à écrire, me détendre et m'occuper d'Alexis. La voix a pu voir que tu es une grande artiste et que tu as une vie difficile. Mais pourquoi fais-tu Secret Story Sims? Je participe à Secret Story Sims 2 pour pouvoir construire un énorme refuge pour les animaux. Quel est ton secret? Après m'être retrouvée dans cette petite ville, je me suis retrouvée avec une femme avec plein d'animaux. Je pensais pas qu'elle me ferait du mal, mais elle m'en a fait. Je me suis retrouvée à vivre avec un seul souvenir. Une figurine qu'elle m'avait offerte. Comment vas-tu être dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets? Je serai une grosse manipulatrice. Il va falloir faire attention à mes délires et tout. Car en dehors je peux être une vraie chipie. Thaïs, tu intéresses la voix. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci la voix. Attention, j'arrive. Ici la voix. Candidat, présente-toi. Salut la voix, moi c'est Romain, j'ai 29 ans et j'habite sur l'île de la Réunion. Dans la vie j'ai une femme nommée Alicia et on rêve d'avoir un enfant. Là la voix, on se trouve devant ma maison où je vis avec Alicia, elle est belle hein? J'adore Alicia, c'est pour moi la femme de ma vie, mais bon en ce moment on peut dire que ça a été assez tendu. Je suis souvent de mauvaise humeur, car je me couche tard et me lève tôt, car je suis infirmier dans cet hôpital. Malgré que mon métier m'a rendu sang chaud, je me calme en pêchant dans les lacs, j'adore la nature. D'ailleurs je rêve de devenir écologiste. La voix peut voir que tu n'as pas une vie facile et que tu es un passionné de la nature. Mais pourquoi fais-tu Secret Story Sims? Je participe à cette émission pour gagner de l'argent, pour gâter mes futurs enfants et ma femme, et surtout pour pouvoir financer mes études pour être écologiste. Quel est ton secret? Mon secret a fait que j'ai apprécié la nature et la vie et m'a fait être moins le fils gâté. Il pourra me permettre d'être plus stratège dans ce jeu. Comment seras-tu dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets je mettrai l'ambiance. Des stratégies. Inutile. C'est en faisant le moins que tout arrive. Romain. Tu as convaincu la voix, candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci la voix. Vous inquiétez pas, je serai votre roi dans la maison des secrets. Ici la voix. Candidate. Présente-toi. Salut la voix. Moi c'est Manon, j'ai 19 ans et j'habite à Sunset Valley. Oui. Dans la vie je suis plutôt quelqu'un qui aime s'amuser. Oui. Là la voix on se trouve devant ma maison. Elle est un peu moche mais c'est pas grave. Oui. Bon je vous fais visiter.
Là, on se trouve dans le salon. Ensuite, la salle de bain avec vue sur un arbre. Et ma chambre avec le lit de ma grand-mère. Oui! Mes activités de tous les jours, regarder des films, mais les moins chers car j'ai pas trop d'argent. Oui! Et profiter du parc et de la nature. Plus tard, je rêve d'avoir un grand cheval et ça sera mon meilleur ami. Oui! La voix a pu voir que tu n'avais pas beaucoup d'argent. Et que tu es complètement folle. Ne dites pas de sottises, la voix. Oui! Enfin bref, pourquoi joues-tu à cette émission? Je veux participer à Secret Story Sims, car je veux de l'argent, car je n'en ai plus et pouvoir avoir encore plus d'amis. Oui! Quel est ton secret? Mon secret, c'est ma raison de participer à Secret Story Sims. En gros, je ne peux rien vous dire, la voix. Oui! Quelle est ta stratégie? Ma stratégie. Rester moi-même. Oui! Manon, la voix te trouve complètement folle, et ça lui plaît. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Ouais. Je vais tout péter dans la maison. Oui! Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir voir le premier candidat arriver dans la maison des secrets. Mais avant, portrait. Ici la voix. Candidat, présente-toi. Salut. Je suis Frister, j'ai 19 ans et j'habite dans une ville à côté de Paris. Dans la vie, je passe pas mal de temps devant ma console, je suis comment on dirait un vrai geek. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer la nature, je lis souvent des livres au parc. La voix a pu voir que tu passes beaucoup de temps sur tes jeux vidéo, mais que tu profites aussi de la nature. Oui, et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui est contre les gens qui polluent, car je suis écologiste, voici l'établissement où je travaille. Pourquoi fais-tu Secret Story Sims? Parce que j'ai vu Secret Story Sims 1 et ça m'a énormément plu. Je me vois bien dedans et je saurai garder mon secret le plus longtemps possible. Quel est ton secret? Mon secret m'a permis de découvrir en moi une grande passion pour la technologie. Comment vas-tu faire dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets, je serai joueur. Je me battrai le plus possible pour avoir ce que je veux. Et d'ailleurs, personne ne pourra trouver mon secret. Frister, la voix a besoin de candidats comme toi. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci la voix de m'avoir pris. Vous ne le regretterez pas. Voilà, tout de suite regardez, Frister est sur la passerelle. Ici la voix. Frister. La voix te souhaite la bienvenue dans la maison des secrets. Dès ton entrée, rends-toi dans le confessionnal se trouvant après les deux portes noires à partir du salon. C'est tout. Pour le moment. Ouah. Trop classe la maison. Ici la voix. Frister. À côté du confessionnal se trouve un mur avec dessus la Joconde. Une porte est dissimulée, ouvre-la. C'est tout. Pour le moment.
Ici la voix. Frister. Tu pensais rentrer dans la maison des secrets avec un secret personnel? Mais tu t'es trompé, regarde l'écran plasma. Dans la maison des secrets se cache désormais la Joconde. Chaque pièce est reliée à une autre pièce par elle. Elle dirige la maison des secrets. Mais derrière cette Joconde se trouve un couloir enfermant cette maison. Frister. Comme tu l'as sûrement compris, la Joconde aurait la place des yeux des trous, où placer tes yeux, ce qui te permettra de tout voir et tout entendre dans la maison. Ton nouveau secret est « Je suis l'œil de la Joconde ». Tu as aussi un autre pouvoir, mais la voix te rappellera demain pour te le dire. C'est tout. Pour le moment. Voilà, Frister a reçu un énorme pouvoir, c'est la troisième fois que je le dis mais cette saison promet. Tout de suite deux autres candidats vont rentrer dans la maison des secrets, mais avant portrait. Ici la voix. Candidate, présente-toi. Salut la voix. Je m'appelle Ruby, j'ai 23 ans, j'habite à Bridgeport. Dans la vie j'ai un caractère assez spécial. Là la voix, on se trouve devant l'établissement où je travaille en tant que journaliste. Tous les samedis, je viens dans ce parc pour m'entraîner au basket, c'est une vraie passion pour moi. La voix peut voir que tu accordes beaucoup d'importance pour ton travail et le basket. Autrement, les autres jours après mon travail, je passe beaucoup de temps avec mes amis, et presque tous les soirs, je passe mon temps à danser et m'amuser en boîte de nuit. La voix peut voir aussi que tu es très fêtarde. Mais comment vas-tu faire dans la maison des secrets? Dans la maison je vais me faire beaucoup d'amis, et ceux que je n'aime pas je les manipulerai. Pourquoi fais-tu Secret Story Sims saison 2? Je fais ça pour la gloire et pour donner les soins à une association d'enfants malades. Quel est ton secret? Mon secret est mystérieux, un peu dangereux mais surtout impossible à trouver. Ruby. La voix aime les candidats généreux joueurs. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci beaucoup la voix, vous verrez je suis une candidate surprenante. Ici la voix. Candidat, présente-toi. Bonjour la voix, je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans et je viens de Lyon. Je suis dentiste et j'ai mon propre cabinet. J'ai une femme et un enfant. Là la voix, on se trouve devant mon cabinet où je travaille en tant que dentiste. Et là c'est ma maison où je vis avec ma femme et mon enfant. Aujourd'hui je suis très heureux. Mais ça n'a pas toujours été le cas, quand j'étais petit on m'a souvent embêté. Cela m'a fait naître un caractère plus fort, et m'a rendu beaucoup plus attaché pour ma famille. Chaque jour je fais des longueurs, dans la piscine pour me défouler. Il m'arrive d'aller en boîte avec mes potes, mais rarement je reste surtout avec ma famille. La voix a pu voir que tu as beaucoup d'attachement pour ta famille, ton travail et que ta vie n'a pas toujours été tranquille. Mais pourquoi fais-tu Secret Story Sims? Je fais Secret Story Sims car j'ai envie de découvrir de nouvelles personnes, de faire des stratégies et de trouver des secrets. Quel est ton secret? Une nuit, je dormais quand je me vis dans le lit. Pour comprendre ce qui m'arrive, je me suis regardé dans le miroir et je ne voyais pas mon reflet. Ce secret, personne ne le sait, je suis venu pour le révéler à la France entière. Comment tu seras dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets, je serai stratège. J'irai jusqu'au bout en embobinant les autres. Mais comment? Ah, ça, c'est un secret la voix. Raphaël. La voix voudrait en savoir encore davantage sur toi. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci la voix. Vous ne le regretterez pas. Voilà, regardez, Ruby et Raphaël sont sur la passerelle.
Ici la voix. Raphaël, Ruby. La voix vous souhaite la bienvenue dans la maison des secrets. C'est tout. Pour le moment. Putain, c'est trop classe. Salut, t'es qui? Salut? Moi c'est Frister et toi? Moi c'est Raphaël et elle c'est Ruby. Voilà, Raphaël et Ruby sont rentrés dans la maison des secrets. Tout de suite découvrons les deux premiers secrets de cette saison. Voilà, dans la maison des secrets nous avons quelqu'un qui a deux pères, et quelqu'un qui a fait une décorporation. Tout à l'heure vous verrez les portraits des quatre derniers candidats, les quatre derniers secrets et les résultats du before. Mais tout cela c'est après une courte page de pub, alors à tout à l'heure. Vous l'avez attendu, vous le vouliez, il est là, le Before Secret revient vendredi 4 juillet avec trois candidats de plus extraordinaires les uns que les autres. Pendant trois épisodes, vous allez les suivre, les aimer ou même les détester. Secret Story saison 2, le Before, vendredi 4 juillet sur TVCF Prod. Bon, on se motive. Tu veux que je twerk pour te motiver? Non, c'est bon, ça va aller. Dia, si tu m'entends, sors tes émissions et par pitié, sur une seule chaîne. J'ai tout balancé, Sims Next Top Model, British Invasion. Ils nous font chier avec les Anglaises maintenant? Tu sais pas quoi? Non, et je m'en fous. Secret Beach est reculé, c'est dommage. Ou pas. Activity Channel va lancer une nouvelle série. C'est sur quel thème? Je sais pas, va lui demander, moi je m'en fous de sa série. Alors Mystère Sims et son show, une connerie en plus j'ai envie de vous dire. Mais il est gentil. Mais je m'en fous. Rebienvenue sur le plateau après cette courte page de pub. Tout à l'heure, vous l'avez vu, Frister est rentré dans la maison des secrets, avec comme nouveau secret, je suis l'œil de la Joconde. Ruby et Raphaël sont rentrés dans la maison des secrets, et nous avons découvert deux secrets, j'ai deux pères et j'ai fait une décorporation. Tout de suite, voici deux nouveaux portraits. Ici la voix. Candidate, présente-toi. Coucou la voix, moi c'est Émilie. J'ai 18 ans, oui je suis jeune. Et j'habite à Sunset Valley. J'adore mes amis, mes animaux, mes amis, bref. Je passe beaucoup de temps avec eux. Ce sont des personnes importantes pour moi. Ma saison préférée? L'été, c'est là où je peux me détendre et bronzer sur la plage. Je suis quelqu'un de très exigeante sur le style. Mon style est d'ailleurs assez spécial. La voix peut voir que tu es une fascinée de la mode. Pourquoi participes-tu à Secret Story Sims? Si je veux participer à Secret Story Sims, c'est car je souhaiterais ouvrir ma propre boutique de vêtements. Mais pour cela il faut de l'argent. Quel est ton secret? Mon secret est très dérangeant, car pour parler c'est un gros souci. Comment seras-tu dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets, c'est moi la reine. Je ferai croire qu'on me manipule et c'est justement ça ma stratégie. En vrai, c'est moi qui va manipuler les autres. Émilie, tu es une personne très spéciale, et la voix voudrait en savoir plus sur toi. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Émilie arrive pour foutre le feu à la baraque.
Ici la voix. Candidat, présente-toi. Ayo, ici Yuri, 21 ans. J'habite là où le soleil est toujours présent, c'est-à-dire Marseille. Je suis, moi, un mec qui se prend pas la tronche et qui aime vivre sa vie à son rythme. Je ne suis qu'un simple vendeur dans une boutique de jeux vidéo, c'est d'ailleurs ma passion. J'adore les jeux vidéo, je passe mon temps dessus, du coup ça fait que je n'aime pas trop sociabiliser à... Il m'arrive quand même de sortir, surtout en boîte le soir où je joue à leur jeu et où je fais la fête. La voix peut voir que tu es un vrai geek. Quelle sera ta stratégie dans la maison des secrets? Une stratégie? C'est pas pour moi ça, je suis le bourrin de service. Enfin je dis ça, mais si j'en sens le besoin ou que je peux être vachement fourbe et manipulateur. Pourquoi participes-tu à Secret Story Sims? Si je participe c'est plus pour le fun, mais on va pas se mentir, l'argent à gagner c'est une grosse motivation aussi, et pour les filles aussi. Et... Quel est ton secret? Mon secret, comment dire, vous y croyez ou pas, mais très peu de personnes sont capables de faire ce que je fais comme un genre de don. Yuri, la voix a besoin de candidats comme toi dans sa maison. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. Merci de me prendre et... Voilà, regardez, Emily et Yuri sont sur la passerelle. La voix. Émilie, Yuri. La voix vous souhaite la bienvenue dans la maison des secrets. C'est tout. Pour le moment. Et c'est Émilie. Ouais, c'est quoi cette maison de folie? Salut, moi c'est Yuri et toi? Salut, moi c'est Raphaël, enchanté. Voilà, Yuri et Émilie sont rentrés dans la maison des secrets. Tout de suite découvrons de nouveaux secrets. Voilà, dans la maison des secrets nous avons quelqu'un qui a braqué une banque et quelqu'un qui s'est fait frapper 3 fois par la foudre. Tout de suite découvrons les 2 derniers candidats. Ici la voix. Candidate, présente-toi. Salut la voix. Moi c'est Amélia, j'ai 22 ans et j'habite à Bridgeport. Dans la vie je suis quelqu'un de très fêtarde, j'aime faire la fête et déhilarer. Là on se trouve devant l'une des boîtes de nuit des plus populaires de Bridgeport, le Broyeur. Je viens ici car j'adore danser et faire la fête. Ma danse préférée? Le Breaker Dance. Je vous montre la voix? La voix peut voir que tu es très fêtarde. Et oui la voix, j'adore faire la fête. Partout, sauf chez moi. Madame, un verre pour tous les gens de cette boîte. La voix peut voir aussi que tu es très généreuse. Non mais la voix, je ne fais pas ça tout le temps, c'est juste un moyen de me rendre populaire et de me faire apprécier. Mais comment vas-tu faire dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets je serai stratège et fêtarde. Je répandrai mes délires et je ferai la fête dans la maison. Pourquoi fais-tu Secret Story Sims? Je fais Secret Story Sims car j'ai besoin d'argent et m'acheter une nouvelle baraque. Quel est ton secret? Mon secret est quelque chose de moral, j'ai été adoptée, car je ne pouvais pas naître normalement. Mais je ne vous en dirai pas plus la voix. Amélia, tu plais à la voix, candidature validée. C'est tout, pour le moment. Vous inquiétez pas la voix, je ne vous décevrai pas dans la maison des secrets.
Ici la voix. Candidat, présente-toi. Salut le truc qui parle fort. Moi c'est Tom, j'ai 20 ans et je vis à Rennes. Je suis taré, mais sympathique des fois. Je fais du sport tous les jours. J'adore ça. Enfin c'est surtout pour ressembler à un beau gosse. Je suis quelqu'un de très impulsif et rancunier, vaut mieux pas m'emmerder. Le premier qui se foutra de ma gueule le payera cher. Quand je dors pas, je mange. C'est ma grande passion et mon but dans la vie. Je suis aussi un hyperactif. La voix a pu voir que tu as un caractère assez spécial. Quel est ton secret? Mon secret est assez spécial. En fait ça a été un choc. Quand j'en parle les gens s'inquiètent un peu. C'est peut-être à cause de lui que je suis fêlé. Pourquoi participes-tu à Secret Story Sims 2? Je participe à Secret Story Sims 2 pour mettre un peu de chaud dans cette maison de mou de cul. Et aussi pour le fric, hein. Comment seras-tu dans la maison des secrets? Dans la maison des secrets je serai à la fois normal et joueur. Je serai toujours là pour les autres, mais dans les énigmes je joue à fond et je laisse tomber les autres. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même comme on dit. Tom, la voix t'adore. Candidature validée. C'est tout. Pour le moment. La voix attention. Avec moi vous ne risquez pas de vous ennuyer. Voilà, regardez, Amélia et Tom sont sur la passerelle. Ici la voix. Tom, Amélia. La voix vous souhaite la bienvenue dans la maison des secrets. C'est tout. Pour le moment. Et, wesh là, vous êtes qui? Moi c'est Amélia. Et moi c'est Tom. Voilà, Amélia et Tom sont rentrés dans la maison des secrets. Découvrons désormais les deux derniers secrets. Voilà, nous avons donc dans la maison, quelqu'un qui est médium, et un ou une bipolaire. Connectons-nous avec le Bifor, la voix va faire une annonce. Ici la voix. Thaïs, Romain et Manon. Il est l'heure de quitter le Bifor. C'est tout. Pour le moment. Voilà, regardez, Thaïs, Romain et Manon sont sur la passerelle. Thaïs, Romain, Manon, vous m'entendez? C'est l'heure des résultats. Un de vous trois ne va pas rentrer dans la maison des secrets ce soir. Le faux couple qui a été choisi a 45,1% des voix. Les deux personnes que je désignerai s'avanceront.
La première personne du faux couple qui rentrera dans la maison des secrets. C'est Thaïs. Thaïs, avancez-vous. Alors la deuxième personne rentrant dans la maison des secrets avec Thaïs entre Romain et Manon C. C'est Manon. Manon et Thaïs, vous pouvez rentrer dans la maison des secrets en tant que faux couple. Romain, je suis désolé, vous quittez l'aventure. Ici la voix. Ah, Romain, tu pensais vraiment quitter l'aventure? Mais la voix en a décidé autrement. La voix va te confier un nouveau secret qui est, je suis le complice du faux couple et de la Joconde. Ton but sera de défendre le faux couple et un candidat représentant la Joconde, tu ne pourras pas les buzzer comme on ne le pourront pas. La voix va te confier une mission. Tu as une semaine pour découvrir qui est la personne représentant la Joconde. Si tu ne la trouves pas, tu seras éliminé du jeu au prochain Prime. Du temps, tu intègres le jeu avec ton secret qui est « Je suis resté un an sur l'île déserte ». Si quelqu'un trouve ton secret cette semaine, tu seras aussi éliminé du jeu. C'est tout. Pour le moment. Non mais attends, je rêve. L'autre il rentre dans la maison et les deux ils vont limite l'embrasser et tout alors qu'ils se connaissent pas. C'est louche tout ça. Voilà, enfin Romain intègre la maison des secrets avec un nouveau secret et une mission. Il a une semaine pour trouver Frister qui est l'œil de la Joconde. Ce prime est presque fini, tout de suite regardez, la voix va faire une annonce. Ici la voix. À tous les habitants. Rendez-vous dans le salon. C'est tout. Pour le moment. Ici la voix. Émilie. Amélia. Romain. Frister. Ruby. Raphaël. Thaïs. Manon. Yuri. Et Tom. Vous êtes les 10 candidats de Secret Story Sims saison 2. Deux partiront en demi-finale et trois seront en finale. Et dans cette semaine et demie, l'un de vous 10 sera sacré grand gagnant de Secret Story Sims saison 2. C'est tout. Pour le moment. Voilà, ce prime de Secret Story Sims saison 2 est désormais terminé. Moi je vous laisse avec ces images, ce générique de fin et les résultats des nominations du Before, et je vous dis à demain pour la première quotidienne de Secret Story Sims saison 2. Bye.